Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous parler de méthodes d'apprentissage et en particulier de la méthode qu'on appelle des flashcards, en français les cartes mémoire. C'est assez succinct, je vais plutôt parler de mon expérience et de mon choix et je vais vous proposer ça juste après le jingle. Alors, c'est pas très théorique, rigoureux ce que je vais vous présenter, mais l'idée c'est déjà dans un premier temps de vous montrer les trois grandes catégories de méthodes d'apprentissage pour moi. Alors, la première méthode est assez classique, c'est toutes les méthodes basées sur la répétition. C'est lorsqu'on est en école primaire et qu'on apprend les tables de multiplication, on va répéter 4 fois 5 égale 20, 4 fois 5 égale 20, et etc. jusqu'à ce qu'on le sache. Et en fait, c'est cette répétition qui fait que le cerveau va imprimer cette information et on va retenir l'information, on va donc l'apprendre. Deuxième type de méthode, ce sont les méthodes qui sont plus basées sur les émotions. Ces méthodes basées sur les émotions, c'est le fait que on se souvient peut-être de choses qu'on a vécues quand on avait 4 ans parce que ça nous a marqué, que ce soit joyeux ou triste, que ce soit de l'émotion de surprise, enfin quel que soit le type d'émotion, en fait, cette émotion a marqué notre mémoire et fait qu'on a retenu quelque chose. Et donc les méthodes basées sur les émotions vont faire en sorte d'associer un phénomène à apprendre ou quelque chose à apprendre à des émotions, quelque chose. Je vous donne un exemple. J'ai acheté 4 cannelés, ils étaient super bons. J'ai acheté 4 cannelés à 5 euros, j'en ai eu pour 20 euros. Si derrière il y a une histoire, on va comme ça associer une histoire à un certain nombre d'informations. C'est aussi ce qu'on appelle des moyens mémotechniques. On va comme ça construire une histoire, construire quelque chose qui va pour nous nous faire ressentir quelque chose. Et donc c'est ce travail basé sur les émotions qui va nous faire apprendre et donc nous souvenir de quelque chose. Et enfin, troisième type de méthode d'apprentissage, ce sont les méthodes qui sont basées sur la compréhension, le sens, la logique. C'est pour ça qu'on vous fait des cours, on vous explique des choses. Par exemple, sur notre fameuse multiplication, eh bien en fait, on vous explique que la multiplication, il s'agit ici par exemple de 5 plus 5 plus 5 plus 5, j'ai 4 fois la répétition du chiffre 5, donc 4 fois 5. Comme on vous avait déjà appris avant les additions, vous êtes capable de vous souvenir que 4 fois 5 égale 20. Donc, ces méthodes basées sur la compréhension ont l'intérêt, l'avantage de conduire à un apprentissage de longue durée. Une fois qu'on a compris, souvent on garde cette compréhension. Par contre, si ça ne va pas avec de la répétition, eh bien on va peut-être mettre un peu plus de temps à retrouver l'information. Mais grâce à la compréhension, le sens et la logique, on va retrouver l'information. Donc on a bien appris cette information. Alors lorsqu'on est élève, lorsqu'on est étudiant, on est là pour apprendre. Et on dit parfois que apprendre par cœur, c'est pas bien. Alors en fait, personnellement, c'est pas une notion de bien ou pas bien. C'est que pour moi, le niveau de base d'apprentissage, la première chose qu'on doit commencer à faire, c'est par apprendre par cœur. C'est-à-dire que si vous n'apprenez pas, ça va être difficile derrière de pouvoir réutiliser. Donc il faut, à mon sens, un minimum apprendre avant de pouvoir utiliser. Et en fonction des notions, il y a des notions où on n'a pas le choix. On ne va pas refaire toute la logique pour aboutir à l'information, donc il faut l'apprendre par cœur. Et donc, le plus simple pour apprendre par cœur, sur des notions assez répétitives et qui n'ont pas forcément... qui sont nombreuses et qui vont demander du coup une masse de travail importante. L'idée c'est d'être le plus efficace, voire efficient possible, donc y passer moins de temps mais apprendre très bien et apprendre à longue durée. Et donc la première, les premières méthodes, ce sont les méthodes où on apprend avec la répétition. Ces méthodes ont une efficacité qui est prouvée et l'efficacité est d'autant plus importante si ces répétitions se produisent sur une période assez longue. Alors on peut très bien bachoter, c'est-à-dire que la veille pour le lendemain, on va lire, on va relire, on va relire et donc le lendemain on s'en souviendra. Et le risque c'est que si on le fait qu'une fois et peu de temps avant ressortir l'information, et ben en fait une semaine après on aura tout oublié. Et en fait, plus les répétitions vont arriver régulièrement dans le temps et seront espacées, plus l'apprentissage sera durable dans le temps. La difficulté sur ces méthodes d'apprentissage par répétition, c'est qu'il faut s'autogérer.
Hein, c'est à nous de savoir si l'information qu'on pense avoir retenue, elle est juste, elle n'est pas juste. Et pour valider son apprentissage, c'est un peu compliqué. Donc souvent, on va conseiller aux élèves, aux étudiants de travailler à plusieurs. Il y en a un qui a le cours et il y en a un qui dit ce qu'il y a dans le cours et l'autre il va dire oui, c'est ça, c'est pas ça. Moi, ce que je vous propose ici, c'est de nous intéresser aux cartes mémoire, qu'on dit aussi flashcards, hein, en fonction de si on est francophone, anglophone, etc. Le principe des cartes mémoire, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous allez devoir apprendre une information, donc ça ne fonctionne que sur des informations de base, hein, simples. Et donc, vous prenez une carte, un bout de papier, comme vous voulez, sur, avec un recto, un verso, où on va écrire des choses. Sur le recto, on va écrire une information, donc ici, 4 x 5, l'opération, et donc sur le verso, on va écrire la réponse. Ce qui va permettre quand même de s'autogérer, puisqu'on va regarder une carte, on va dire tout fort ou dans sa tête la réponse à la carte, on va retourner la carte, et si c'est bon, on va dire c'est bon, je sais, je reviendrai dessus, mais un peu plus tard, ou je sais pas, et dans ce cas-là, on remet dans le paquet et on va revoir régulièrement. Et on fait ça régulièrement. On est en 2021, ça fonctionne toujours, hein, le principe des flashcards fonctionne très très bien. Je vais vous montrer un petit peu, 2021, quelles sont les autres solutions et quels sont les avantages et inconvénients de chaque solution. Donc première analyse, mes cartes manuscrites, je prends un papier ou je prends une feuille cartonnée. Alors l'avantage de cette méthode, c'est que bah, l'étudiant, l'élève, c'est lui qui va écrire. Donc ce sera son écriture et comme c'est lui qui va écrire, il aura eu une démarche active lors de l'écriture des cartes. Donc rien que le fait d'écrire la carte va déjà être en fait un temps d'apprentissage. Hein, c'est comme ça que parfois on se rend compte que on fait des petites fiches... voir ce qu'on appelle des pompes, des antisèches, hein, écrit en tout petit, on réfléchit vraiment à ce qu'on écrit, le minimum, synthétiser, et bien rien que le fait de réfléchir à ce qu'on va écrire et à synthétiser, fait qu'on l'a appris et donc on n'a plus besoin de cet antisèche. L'autre avantage sur cette méthode écrite à la main, c'est qu'on va avoir une possibilité infinie de graphisme, hein, on va pouvoir faire ce qu'on appelle aussi du sketchnoting, on va rajouter des petits dessins, des couleurs, enfin l'idée c'est d'un petit peu de se faire plaisir, quand on fait ces cartes, pour que l'apprentissage soit plus difficile, le plus facile, pardon. Inconvénient, c'est-à-dire que je fais mes cartes, mais après, ça va être à moi d'être assez autodisciplinée pour dire, bon, allez, je révise mes cartes, je sais pas, et de se forcer un petit peu à réviser. Inconvénient, bah, faire les stocker, les cartes, les ranger, les classer, et pas tout mélanger. Si on a plusieurs matières, voir un petit peu. Et puis, par contre, ben, en fait, on va pouvoir apprendre uniquement que les cartes qu'on a fait. Hein, forcément, je travaille sur mes propres cartes, donc les apprentissages seront limités aux cartes dont on aura fait l'effort de rédiger et de présenter les cartes. On va donc voir d'autres méthodes. Une autre méthode, c'est de dire, je vais imprimer des cartes. Donc, vous pourrez regarder, hein, il existe sur, classique en termes de présentation, il s'agit Canva, mais vous cherchez sur Internet, hein, vous mettez flashcard à imprimer, vous verrez, il y a plein de sites qui proposent déjà des designs, il suffit de modifier un petit peu. Alors, l'avantage, c'est toujours l'étudiant, l'élève qui va dire ce qu'il écrit, hein, donc la rédaction, les mots qu'on va taper, c'est propre à l'étudiant, mais il n'y a plus cet effort-là, d'écrire à la main. Par contre, c'est toujours la même démarche active de conception des cartes où j'identifie les éléments clés à prendre et j'identifie la définition d'un mot, par exemple, ou la traduction, etc. J'ai quand même aujourd'hui sur les sites internet, il y a un nombre de graphismes quand même énorme, donc on a une possibilité infinie sur le graphisme des cartes. Et comme je vais récupérer un fichier électronique, bah, finalement, je vais pouvoir partager avec d'autres étudiants. L'inconvénient, c'est que je fais ça sur ordinateur et si je veux pouvoir les travailler, j'ai toujours le même problème d'autodiscipline. Il va falloir que j'imprime, donc ça nécessite le papier ou le carton et l'encre et on sait que ce n'est pas toujours donné. Et puis on retrouve le problème d'après, il va falloir les ranger, les classer et les stocker. Donc il y a une autre solution, une troisième solution et c'est vers celle-là que je voulais vous présenter. C'est la méthode qui est liée avec des applications. Il existe aujourd'hui des applications de flashcards, des applications de cartes mémoire. Alors, quels sont les avantages et inconvénients de ces applications? Soit applications avec des logiciels sur ordinateur, soit applications sur téléphone et tablette. Alors, lorsqu'on est sur les applications, bah, toujours la rédaction, ce qu'on va taper, c'est propre à tout le monde, à chacun, à l'élève, à l'étudiant.
Ce qui est intéressant, c'est que derrière l'application, il y a un aspect ludique, hein, qui change un petit peu du papier, du crayon, de on s'assoit à son bureau, qui est parfois un petit peu contraignant, et donc on va enlever un petit peu cet aspect strict qui peut parfois démotiver l'élève ou l'étudiant. Je vais avoir via l'application la possibilité d'avoir des rappels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les applications vous disent, voilà, si vous avez un devoir dans 2 semaines, tous les 2 jours, je vous dis, attention, il faut faire un petit peu de test. Hein. Donc, on a comme ça une incitation extérieure à l'élève, à l'étudiant pour apprendre. On va, via ces applications, pouvoir partager nos listes de flashcards, de cartes mémoire avec d'autres étudiants, et de la même façon on va du coup avoir accès en fait à une infinité de cartes mémoire, donc on va entre guillemets économiser sur le temps de rédaction des cartes mémoire et être uniquement dans la phase d'apprentissage, de répétition, et on passera un peu moins de temps sur la conception. Après, à chacun de voir. Inconvénient, lorsqu'on est sur ces applications, on a quand même un graphisme limité, hein, on n'a pas écrit à la main, c'est pas notre écriture, même s'il y a des solutions qui existent. Par exemple, il y a des solutions où, avec un logiciel, avec une application dédiée, avec quelqu'un qui, une entreprise qui produit et qui imprime du papier, que je ne citerai pas, je vous laisserai chercher. En fait, on a des feuilles un peu particulières et je vais scanner, hein, et je peux comme ça créer mes flashcards en scannant ce que j'ai écrit à la main. Donc, on a et le graphisme et l'application. Et autre inconvénient, eh bien lorsque on conçoit les cartes, si on récupère les cartes des autres, on n'a plus cette démarche active pendant la conception. Hein, il y a un petit peu moins d'apprentissage dès la réalisation des cartes. Par contre, on va passer plus de temps à la répétition. Alors, il existe plusieurs applications de cartes mémoire. Mon choix à moi, et ça n'engage vraiment que moi, c'est Quizlet. Alors, ça fait moins de 10 ans, ça fait 5-6 ans peut-être que ça existe, je n'ai pas vérifié. Ce qui est intéressant sur Quizlet, c'est que ça existe et sur ordinateur et sur smartphone ou tablette. Je vais vous montrer un petit peu, je vais essayer de vous montrer un petit peu de à quoi ça ressemble pour vous, voilà, pour que vous regardiez, puis après vous ferez vos choix. Alors si, donc là je vous fais une capture d'écran de ce qu'on a sur l'ordinateur, donc vous créez votre compte, et donc quand vous créez votre compte, derrière, vous allez pouvoir ici créer des listes. Il faut que j'arrive à lancer, c'est parti. Donc je crée une liste, je peux créer autant de listes de thèmes que de matières. Pour créer une liste, il faut au minimum 2 thèmes. Hein. Donc je crée une liste, je vais donner un nom, donc ici... test de liste. On peut rajouter des descriptions. On peut décider si c'est visible par tout le monde ou seulement par soi. Voilà, donc ici je crée, hein, c'est pas très compliqué. Voilà, j'enlève tout ça. Alors je vous ai dit, voilà, donc on peut faire en sorte que ce soit visible par tout le monde ou pas. Et donc, je vais descendre un petit peu, voilà. Donc là, j'étais partie sur une liste que j'avais commencée, donc on va changer un petit peu, on va effacer, vous vous rendiez compte un petit peu. Donc, je vais effacer mes 2 termes, puisque j'ai minimum 2 termes pour faire une liste. Donc, vous voyez ici, on peut très bien également changer un petit peu la mise en page, mais c'est assez limité. On peut mettre du gras, de l'italique, du souligné, un peu de couleur. Voilà. Vous verrez qu'on a aussi la possibilité de faire en sorte que le terme soit donné à l'oral. Donc ça c'est intéressant. Alors c'est des flashcards, donc si au départ on a écrit quelque chose au recto, quelque chose au verso qui est faux, on apprendra quelque chose qui est faux. Hein. Donc ça reste quand même de la responsabilité de chacun. Donc ici on va partir sur la table des multiplications de 9. Donc 1 fois 9, je vais corriger. Attendez, je finis. 2 fois 9 égale 18, voilà. Donc vous voyez, on peut rajouter des images, hein, pour que ce soit un peu plus ludique en fonction du niveau et de la... matière sur laquelle vous êtes. Vous pouvez par exemple mettre l'image d'un auteur si vous devez apprendre un auteur avec ses dates, vous devez, voilà, on peut mettre plein de choses. On peut mettre aussi bien des termes, donc je vous ai dit, voilà, on précise la langue, donc par exemple ici ce qui est bien en langue, ça marche super bien pour apprendre et des mots de vocabulaire et des verbes irréguliers, voilà, il me propose directement le terme, évidemment en fonction de ce que je veux, et donc là je fais créer ma liste, donc j'ai 3 termes, voilà. Donc là, si vous regardez, j'ai ma recto de carte. Donc, je peux partager, pardon, c'est pas ce que je voulais montrer. Donc, j'ai... Voilà, donc hein, vous verrez, vous regarderez, vous essayerez, on peut vraiment partager, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai mon recto de carte et voilà, en cliquant dessus, j'ai le verso. Et donc, je vais comme ça pouvoir apprendre. Donc, là, il y a des modes réviser, il y a des modes apprendre, des modes écrire. Hein, vous regardez ici les différents modes.
Donc si je fais apprendre, donc le fonctionnement d'apprendre est assez intéressant, c'est-à-dire que je vais, il va me créer lui-même des QCM avec toutes les réponses que j'ai mises dans le test, donc là j'en ai pas beaucoup, hein. Donc il met des choses qui ne sont pas très liées, hein, puisque j'ai des multiplications et de la correction, mais voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque je me trompe, voilà, il me donne évidemment la bonne réponse, et donc je continue le test, et tant que je me trompe, il va me la reproposer. Alors pas forcément à la suite, mais là comme j'ai pas beaucoup de réponses, pas beaucoup de questions, il me l'a proposé à la suite, mais en fait, il va comme ça me proposer les termes tant que ben, je ne les connais pas. Et si vous regardez ici, là en haut, voilà, il y a un terme à revoir, il y en a 3 qui sont connus, il y en a pour l'instant 0 qui sont connus à fond parce que je n'ai fait qu'une seule fois le test. Donc je vais comme ça pouvoir avoir une progression. Donc là, j'étais en mode apprendre. Il y a différents modes. Il y a des modes un peu plus ludiques, type associé, vous allez voir. C'est un petit peu le système des cartes memory où je vais associer 1 x 9 avec 9. Voilà, j'associe. Et puis, ce qui est pour l'aspect du ludique aussi, c'est que c'est chronométré. Et donc, voilà, j'ai à la fin un classement. Donc, si vous travaillez avec un groupe, vous pouvez comme ça vous défier et essayer d'avoir mis le moins de temps possible pour ce jeu d'associé. Il y a aussi, en termes de jeu, une histoire de... Alors, attendez, on va revenir en arrière, voilà. Dans les jeux, on a aussi une histoire de planète, là, avec les gravités. Hein, voilà, donc il y a différents modes de jeu. À vous de, d'aller voir et de trouver celui qui vous intéresse le plus. Je voulais vous montrer une autre chose. Alors, pareil, il faut que j'arrive à ma vidéo. Excusez-moi, je vais y arriver. Ou pas. Je vais y arriver. Il faut que j'arrive à lancer la vidéo. Ça fait plus qu'amateur là, mais je cherche pas. Ah, non, j'ai pas réussi. Si, c'est bon, c'est parti. J'ai aussi la possibilité, et ça, c'est, je trouve ça assez intéressant, d'importer. Donc, importer à partir de Word, Excel, Google Docs. C'est-à-dire que si vous avez déjà un fichier avec, par exemple, du vocabulaire en anglais, le vocabulaire en français et sa traduction, ou la liste de plein de vocabulaire, vous pouvez l'importer. Donc, vous choisissez... Alors, moi, j'ai pris un fichier Word. Donc, j'ai mis les valeurs d'un côté, point virgule, les deuxièmes valeurs, recto, verso. Vous mettez, en fait, le signe qui vous intéresse, là. Moi, ici, j'ai choisi point virgule, mais vous avez tab, vous avez virgule. Moi, point virgule, il était là, hein, ou une étranger. Voilà. Et là, une fois que je fais ça, copier, coller, et je vais faire importer, tout simplement ici. Et je vais me retrouver avec une liste. Voilà, il me crée ma liste. Voilà, ma liste, elle est là. Je vais la créer. Voilà, donc je vous montre hein, tout ce que j'ai importé. Donc, je vais la créer. Alors, si, une petite chose, vous devez préciser la langue. Donc, voilà, on va préciser qu'ici, on est en français. On n'est pas en traduction parce que c'est vrai que c'est beaucoup utilisé pour apprendre du vocabulaire. Donc, ici, je suis en français. Et à partir de ce moment-là, je crée ma liste. Et on va retrouver ce qu'on a vu précédemment. Avec les cartes. Hop, ça va s'afficher. Voilà, je retrouve. Je peux encore une fois partager. Et donc, je retrouve mes cartes recto, verso. Toutes mes cartes au fur et à mesure. Quand je clique dessus, il met le verso. Voilà. Ce que je vous propose pour regarder là, par rapport à ceux qui s'intéressent, je vous mets en bas là une liste, une classe. Et dedans, je vous ai mis entre autres un quiz sur des notions de mathématiques financières si ça vous intéresse. N'hésitez pas à les tester et voir un petit peu ce qu'il en est. Je voudrais finir avec le visuel du téléphone. Alors moi, je suis sur un fond noir. Donc on va retrouver les cartes ici de la liste MathFi par exemple. Voilà, recto verso, je sais, je glisse à droite, et donc j'ai du vert qui apparaît, je sais pas, je glisse vers la gauche, donc ici j'en ai glissé un à droite et deux à gauche, enfin, un à droite, deux à gauche. Quand c'est du vert, je considère que c'est fait, donc il ne va pas me reproposer, à gauche, il va me les reproposer. Je peux, j'étais un peu vite là, mais vous aviez un petit bouton avec un cloud, en fait, je peux aussi travailler sans connexion internet. Donc ici, il est en train de me télécharger la liste de mathématiques financières ici que j'avais rédigée. Et donc, si vous regardez, lorsqu'on va ici, voilà, et j'ai fini de télécharger, et donc je peux utiliser ce test-là. Hein, vous avez maintenant un petit téléphone vert. Je peux utiliser ce test-là sans connexion Internet. Donc, quand on est à court de données mobiles, ça peut être intéressant. Voilà, donc... Voilà un petit peu ce que je vous propose. Alors, j'ai rien à gagner, hein, je vous propose juste que vous êtes. Il existe bien évidemment d'autres solutions, d'autres applications. Je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Moi, c'est mon choix, moi. Peut-être le côté où c'est bien traduit et pas trop en anglais qui m'allait bien.
Ainsi se termine donc cette vidéo où je vous ai présenté différentes méthodes d'apprentissage. Ça va être la période de révision. Donc, j'espère que j'ai réussi à vous motiver surtout pour apprendre dans cette dernière ligne droite. Les flashcards, il existe une application, plein d'autres applications, du papier, du crayon. L'important c'est d'apprendre et surtout d'apprendre régulièrement. J'espère que je vous ai un minimum convaincu de vous mettre au travail. Si vous aimez la vidéo, un petit pouce, abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve à bientôt.